out, the seasoned ocean, the permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, meet me in the corner, define me with the flora and the fauna and the hardship. Backyard is where my heart is, still I find it hard to depart this big city life. Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui à Central Park. On est dimanche et il fait extrêmement beau. D'ailleurs, je suis habillée un tout petit peu trop chaudement, je pense. Il fait 23-24 degrés et vraiment, c'est le temps parfait, idéal pour une balade dans Central Park. Du coup, on essaie de faire quelques photos et je me suis dit que j'allais vous emmener avec nous pour que vous profitiez aussi de la beauté de ce parc en automne. Big city life, me try forget my pressure lies up no matter what me try. Big city life, here my heart have no base, and right now Babylon upon my case. Big city life, try forget my pressure lies up no matter what me try. Big city life, my heart have no base, and right now Babylon upon my case. Big city life, me try forget my pressure lies up no matter what me try. Big city life, here my heart have no base, and right now. Et voilà, mes petites biches, on vient de se poser sur un rocher. On a fait quelques photos, on se promène dans le parc et vraiment, je le répète, l'automne, c'est la meilleure saison pour venir. Tout simplement parce que vous pouvez à la fois faire du patin à glace, c'est-à-dire qu'il y a les patinoires qui ont été installées il y a déjà plusieurs jours maintenant, et en même temps, vous pouvez faire du beach volley. Donc, et les gens qui font du beach volley, comme vous allez le voir maintenant, sont en maillot. Donc c'est vraiment hyper, hyper beau. C'est vraiment un super automne qu'on a pour le moment. Je croise les doigts pour que la pluie n'arrive pas. Mais normalement, elle arrive demain, donc j'ai pas envie. Et sinon, je voulais vlogger en fait le début de ma journée, mais elle a été un petit peu chaotique parce que la vidéo de dimanche, qui est la réponse aux clichés et stéréotypes que vous aviez sur les États-Unis, elle a eu un petit peu de mal à être montée, être exportée, être mise en ligne. C'est quand même une vidéo assez longue et j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et voilà, sinon on profite du dimanche après-midi, fin d'après-midi. J'ai pas envie que l'automne s'arrête, j'ai envie que ça reste tout le temps, ce temps-là. Regardez les belles feuilles derrière moi. Et sinon on vient de passer devant un pain quotidien. Et du coup, on s'est dit que comme il est 5 heures passées, on va peut-être encore attendre un petit peu et puis aller manger un boula. Parce que on n'a pas spécialement envie de faire à manger ce soir. Pause, je vais vous mettre un petit clip vidéo des pâtes que Mathieu a faites ce midi. C'était trop beau. Vraiment, là, il s'est amusé après l'épisode pâtes noires au charbon. Il s'est dit qu'il allait essayer les pâtes un peu halloweenesques. Et franchement, c'est super, super joli. Et est-ce que c'est difficile à faire, mon cœur? Pas tellement. Pas tellement. Pas plus que des pâtes normales. Pas plus que des pâtes normales. Mais enfin, ça vaudrait peut-être le coup de faire une vidéo pour montrer. Dites-nous si vous voulez ça, si vous voulez que le crolet vous montre comment faire des pâtes un peu plus spéciales que juste colorées. Parce que là, il y a quand même une petite technique, je veux dire. Hein. Même si c'est pas très compliqué à faire, il faut quand même savoir le truc. Donc dites-nous. Et nous, ben, en attendant d'aller manger, on va encore profiter un petit peu du parc.
et on se retrouve tout à l'heure. Alors avant qu'on aille manger, je voulais vous montrer rapidement ma tenue du jour, étant donné que vous avez été plusieurs à me dire sur Instagram que vous vouliez voir la petite jupe jaune en action. Alors là voilà. Ta-da ! Voilà, maintenant on va manger. Bisous ! Relais biche, bon, je vous retrouve dans le canap en pyjama. J'allais complètement oublier de finir le vlog en fait, parce qu'à la base on allait aller manger au pain quotidien de Central Park, mais il y avait beaucoup de gens, on n'avait pas l'air de venir nous appeler pour avoir une place. Du coup on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, on rentre. Et on a commandé un petit truc à manger, donc je vais terminer le vlog ici. J'espère que ça vous aura plu de nous suivre un petit peu dans Central Park et de voir ces magnifiques couleurs d'automne. Et si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, surtout n'hésitez pas, pouce en l'air et un petit commentaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain.